Le Clear s'est dédié aux enfants prépubères. Son personnage clownesque sert à faire rire les enfants. Le Clear toxique. Le Clear connard, ordure, pourriture. Mauvais influenceur. Troll-t-il volontairement jusque pour nous divertir, ou est-il un véritable ordure? Donnez-moi vos avis, car je le dis plus haut, je ne sais pas quoi en penser. Le stream, c'est son gagne-pain, donc il adapte son personnage à son public. Mon public, c'est ça, c'est de votre faute, le public. Vous. C'est vous, l'erreur. Ah, mais il y a un autre forum. Parce que c'est vrai qu'on s'est éparpillé, en fait. Merci à tous pour vos réponses. J'ai une meilleure idée de à qui j'ai affaire maintenant. Inspecteur Moloch Grib a été éclairci, mesdames et messieurs. Les gens du forum Blizzard l'ont éclairci. L'ont mené sur la bonne voie. Merci. Grâce à vous, je sais que Le Clear n'est qu'une victime de son public. Ah oui. Guild Wars? Ah ouais, Guild Wars, à l'époque, ça s'appelait même le Méocast. C'était ici, sous 7 piges, je crois. On s'en tape? Il veut en parler? Il est libre d'en parler, non? Il peut, mais à part du drama, ça n'apportera rien de constructif. De ce point de vue, c'est vrai. Mais il peut, mais à part du drama, ça n'apportera rien de constructif. Bah si, la preuve. On en est que chacun porte son avis calmement, en mettant en avant que c'est son personnage. Et cet avis aide Moloch Grim à se construire le sien. Ouais, à travers ses vidéos. Je le trouve bien pessimiste. Pessimiste, destructeur, communauté enragée. Le Clear s'est dédié aux enfants prépubères. Son personnage clownesque sert à faire rire les enfants. Vous avez quel âge dans le chat, s'il vous plaît? Balancez vos âges, s'il vous plaît. Parce que, en fait, c'est assez drôle, parce que beaucoup d'entre vous ont la majorité. Et ça, je dis rien. Il incarne le rageux de base qui met la faute sur tous les personnages du jeu. Spell, coin de map, à chacune de ses morts. Hors personnage, c'est un bon sniper avec un bon sens de l'humour, de l'énergie et même du fair to play. Merci, Vorse Raider. C'est drôle, c'est... En fait, t'as une manière d'attaquer hein, quelqu'un, c'est... Genre... Ouais, salut, ça va? T'es à chier! T'es moche! Dégueulasse! Tu joues un rôle de merde! Mais finalement, t'es vraiment quelqu'un de bien. T'as même un bon sens du humour, t'es plein d'énergie. Et merci pour ton fair play. Très bonne stratégie. Il me fait rire. Et j'adore ses vidéos. Moi qui pensais que ma puberté était quelque chose de faite depuis 20 ans environ, finalement, j'apprends par Vorse Raider qu'elle n'a pas été faite. Mon pote! Eh ouais! Ici, on est une communauté, mon pote. C'est pas la faute du public. C'est pas ma faute. On est tous humains ici. Et on apprend à l'être. Et ça, c'est le plus important, mon pote. On apprend à être humain ici. Oui, on fait des vidéos aussi pour le buzz. C'est important, mon pote. C'est important de faire du buzz, ok? C'est pas ma place, c'est pas ton taf, c'est pas ton gagne-pain, tu sais pas ce que c'est. Et quand t'auras 4 monteurs à faire vivre, quand t'auras 4 salaires à balancer, on en reparlera. On est une putain de famille ici, mon pote. Et je permettrai personne. Moi, je vous protégerai, moi. On peut m'attaquer, moi, y a pas de problème, mais qu'on vous attaque pas, vous. Parce que vous, vous méritez mieux. C'est quoi qui te fait rire? Quand il crie idiote à bout du 8ème clic gauche sur une tresseur? Bah t'es au moins la preuve que la puberté, ou du moins la mentalité... Quand on est prépubère, peut durer des années durant. Tout me fait rire dans son personnage. Il me fait rire à souiller la tresseur. Son sourire de Joker. Son idiote arrogante et son mort. Tout. Toutes ces bêtises me font rire jusqu'à ses montages et ses soirées à faire suer Alpha Cast, qui au bout d'un moment n'en peut plus de lui. Je suis quelqu'un qui ne me prend pas au sérieux. Malgré que je sois un trentenaire passé, j'aime rire de la vie. De tout et de rien. J'aime m'amuser, rire. Faire la fête. La vie est trop courte pour la passer à se faire chier. Je suis un grand con et je l'assume parfaitement. Mieux, je le revendique fièrement. Virus. Merci mon pote. Merci. Merci mon vieux. D'avoir mis la lumière sur la vie de Vorse Raider. Merci de faire partie de ces gens-là. Qui, oui, se prennent pas au sérieux, parce que se prendre au sérieux dans la vie, c'est... C'est à chier. C'est à chier. On y va, les gars. T'es un modèle pour moi, Virus. Merci, mon vieux. Vorse Raider a retenu « Je suis un grand con ». Ça fait flipper, ce que tu dis. À 20 ans, j'espérais quand même que les gens iraient plus vers un humour plus mature. Je rigole toujours autant, mais vraiment pas des mêmes choses que quand j'étais adolescent et jeune adulte. Ma vie est tellement chiante. Et Virus qui répond. Je rigole de tout, je ne réponds pas à la société et à ce que peuvent penser les gens. Ils veulent te rentrer dans un moule préconçu.
Je m'en contrefiche. Qu'est-ce que c'est beau, virus, qu'est-ce que c'est beau. Je suis ce que je suis, peu importe ce que les gens pensent, éprouvent ou quoi que ce soit d'autre. Je ne veux pas vivre à travers les autres, je veux vivre à travers moi-même. Ça plaît à certains, tant mieux. Viens aider ma bande. Et si ça déplaît à d'autres, ben tant pis. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Je suis un être propre, singulier, comme tout à chacun. Maintenant, les médias, les gens, beaucoup essayent de te juger, de te ranger, de te classer dans une case prédéfinie. Que ce soit politique, religieux ou plein d'autres critères. Si tu es syndiqué par exemple à la CGT, tu es de gauche. Si tu habites par exemple dans le 16e de Paris, tu es à droite. Si tu as une chemise rouge, tu es gay. Si tu rigoles sur le clear, tu es prépubère ou manque de maturité. BAM! Je m'insurge contre ce mode de pensée. Avant de juger, apprenons d'abord à nous connaître avec les multiples facettes de notre personnalité. Cette dernière phrase, je pense, témoigne de la maturité que je peux avoir aussi lors d'une conversation sérieuse. Moi je vous le dis. Le mec là, il est comme ça. Il est comme ça, Vance Rider. Il est en assistance respiratoire, il est là. Oh merde, putain, je suis tombé sur un putain de daron de 45 piges qui regarde le clear. Et il a des putains d'arguments et moi je suis là. Là, Vance Rider, moi honnêtement, je suis à sa place, je suis en train d'argumenter, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, je ne saurais pas quoi dire. Je suis là en mode. Ils sont pas si prépudaires que ça, putain de merde. À l'air général. À l'air général. Vance Rider qui n'écrit plus. Vance Rider. Virus qui a effectivement mis en PLS Voice Rider qui derrière n'arrive pas à répondre, il ne trouve pas de réponse à cette magnifique réponse. Et là, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a réussi à dire, c'est bah c'est bien, tu montres qu'on peut avoir de la maturité et rire à de l'humour de collégien geek. T'es un geek. Et c'est pourquoi t'es un geek? Parce que t'es là sur un forum, Voice Rider, en train de taper au clavier. C'est qui le vrai geek entre toi et moi? C'est toi ou c'est moi? Faut être vraiment de mauvaise foi pour dire que le stream de l'Oclear n'est pas dédié à un public jeune. Ah, parce que donc dédié à un public jeune donne donc uniquement le droit d'être regardé par le public jeune, sous peine d'être qualifié de prépubère. Je pense que tu as, mon jeune ami, une bien haute estime de toi, et que ton jugement est hâtif. Ne crois pas être celui qui peut qualifier quoi que ce soit comme type d'humour. Ah là là, comment il l'a fracassé. Cela ne reste que ton avis. N'en fais pas une vérité absolue. Boum! Virus qui, décidément, qui passe à l'action, hein, qui passe à l'action, Virus il déconne plus. Virus il est là sur le forum. Mon pote! Tu cherches les emmerdes chez moi, mon pote! Fais gaffe, mon pote, charmé! Et moi et mon pote, t'as rien, Vance Rider, t'as rien, mon pote! Eh ouais! T'as rien, mon pote. Bon, continuons. Je me suis retapé toute la première saison de Pokémon il y a quelques mois. Et je regarde les Totally Spies. J'assume totalement les connotations faites autour de ces séries animées. Faites pour enfants. Il y a 2 secondes, je critiquais les enfants. Il y a 2 secondes, je disais que quand t'es adulte, tu devrais pas rigoler des trucs d'enfants. Mais là, je regarde Totally Spies. Et je regarde Pokémon. Fais pareil, tu verras, tout va bien se passer. Et là, il donne des conseils, genre, vous aussi regardez Pokémon, vous voulez, regardez Pokémon, regardez Totally Spies, regardez les Pokémon, les gars, qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez avoir un vrai humour d'adulte? Regardez Pokémon et Totally Spies. Dans la mode Teletubbies. Le gars qui regarde Pokémon et Totally Spies et qui espère qu'on va le prendre au sérieux. En un poste, il vient de se ridiculiser. Ouais. On est d'accord. Virus que gagne par forfait. Par forfait, mon pote. Merci X d'une pile. Merci l'arbitre. On a l'arbitre X d'une pile qui a effectivement tranché. Là, Vance Rider, t'es mort. Mort. Là, c'est fini. Hein. Je crois que je vais même plus lire tes messages parce que là, je crois que tu t'es tué. Et là, ça part dans la politique gauchiste, etc. Je crois que. Aïe, il part dans les insultes. Ok, attendez, on va lire. J'ai hâte. On va lire. Il ferait le gogol encore en mode télépluvis, je te dirais ok. Mais c'est vraiment pas le cas. Il y a pas mal de viewers qui rigolent eux aussi de son personnage décalé et toxique. Je doute que cela soit réservé à des prébubères. Encore une fois, ne te prétends pas forcément tout savoir à être juge pour qualifier quoi que ce soit. Une vérité absolue, cela ne reste que ton avis. Ok, donc ça c'était effectivement Virus qui est en train de se transformer en être démoniaque, en train de défoncer Vance Rider. Vance Rider qui arrive derrière,
Attends, tu prends ton gauchisme à la con et en parlant de notion de liberté individuelle, de penser d'être qui on veut, d'aimer ce qu'on veut, blabla. Tu vas pas me parler de mégalomanie parce que je le dis que le stream de Locke et son personnage taillé dans l'hypercaricature, c'est marrant la première fois pendant 5 minutes, mais que les habitués sont généralement des individus très sensibles à l'humour simple et simpliste. Putain, tu veux de l'humour? Va écouter du Pierre-Emmanuel Barré, du Coluche, du Desperoche, et j'en sais rien, regarde, la classe américaine dispo sur YouTube, et après, viens me dire que l'humour de Locke, c'est pour les grands enfants de 30. Y a pas de suite. Et là, effectivement, il voit que les arguments se déplacent un petit peu. Du coup, Virus, toujours droit, stoïque. Tu t'emportes un peu, jeune homme. Reste poli, mon pote. Du coup, je peux t'appeler vieille personne ou pas? Mesdames et messieurs, merci d'avoir visionné cette vidéo encore une fois. Laissez des likes. Et le monteur s'est troué pour faire la deuxième version. Cet idiot de monteur, hein? Yo monteur, règle de grenier. Yo. Suivez sur Instagram, suivez sur Twitter, shop.loclear.fr et téléchargez l'extension Chrome, les gars. On a loclear.fr, on a lancé notre site loclear.fr. On a l'extension Chrome, les mecs, l'extension Chrome ou Firefox. Et cette extension, elle est très importante, les gars, très importante. Cliquez, parce qu'elle vous avertit quand on passe en live, hein, et le planning, ok? Le planning du live, très important, les gars, hein, il est en live. Dès qu'il y a des minutes de retard, c'est écrit, ok? Le planning, les gars, on clique. C'est la décadence d'un youtubeur, la décadence d'un homme. Pardon, Virus? Il a dit, là, on est d'accord? On était du même côté, il a retourné sa veste. Virus, pourquoi tu fais ça, Virus?